Pièce théâtre musicale Castor naissance en Pepe, il raconte un peu relation entre ben esclave et ben maître ou bien ben grand blanc, pas de ben nanin côté Cécile qui encore en bas l'esclavage. Il centré autour un esclave appelé Castor qui est arrivé sorti l'Afrique pour mettre au défi M. Dupéré et son bon ami grand blanc qui peut exploiter et maltraiter ben esclave. Son fille Estelle qui compte et résister tout ça là. Sa version Castor, il y a l'initiative Remo Clarisse avec Mahé Chimba Choir qui dirigeait. Il vient 25 ans après premier Castor qui est écrit et met en scène par Patrick Victor. Encore une grande étape pour le théâtre. C'est ça. Et bon, on est très content. Bon, je dis merci vraiment Clarisse et Marie Chamber Choir pour sa nouvelle adaptation qui quitte sa pièce vivant dans l'esprit cécélois qui avant encourage encore beaucoup de réflexion. Et moi, je souhaite beaucoup de succès pour continuation. Première est tout le temps difficile et mon quoi présent là qui tout quelque chose pour tomber en place. Sa pièce très émouvante et triste, il raconte naissance Pepe Cécélois. Il s'est Dupéré, un grand blanc, qui fait pitié avec un esclave, et plus tard, Castor lui-même, il fait un enfant avec Estelle, fille il s'est Dupéré. Bien soli, mon pli kata tobi, comme si vous m'avez dit sa di moun ki ti peak, mon pli kata sabout, mais seulement, ti soli en général, mais seulement pour moi, mon ti pli kata Castor avant. Comme si ça y ti soli, mais seulement rien avant, mon ti kon en 8 ans l'état ti fè, mon ti kon en petit, mon ti fè kapon l'esclave, comme si mon ti la dan. I've been here for quite a long time, so I've understood the contents, the dialogue, and to me personally, the play was very profound. It showed the patriotism of the Seychelles nation, how it first started, and the whole play showed the beginning of Seychelles. And for me, as a foreigner in the country, I've been here even though for a long time, I never knew really how the slaves, came. I knew about the slaves coming, but I didn't know how they started the Seychelles nation. Bon, un livre vraiment joli, avec bonne idée dans la vie de tous les jours, un livre vraiment intéressant. Parmi Ben Zimoun qui nous témoigne sa réadaptation Castor, c'est le président de la République qui dit qu'il très apprécié sa pièce. Et pour moi, ça qui fait libre beaucoup plus intéressant, beaucoup plus émouvant, c'est que moi aussi là avec Patrick, le temps nous avons fait première version Castor, mon petit ministre d'éducation, et moi aussi suivre très près le travail que Patrick a fait. Et aujourd'hui, 25 ans après, je suis fier et mon content de voir un groupe zen, Marie Croise, il prend sa initiative pour refaire sa pièce Castor, mais d'une façon moderne, comme un musical. Et mon quoi, moi, je suis content. Premièrement, félicite Zot pour sa l'initiative. Et aussi, félicite Zot pour la performance. Zot, tout le monde fait très bien. Et tout le monde qui l'a tantôt, il passe une soirée très agréable. Mais en même temps, moi, je suis content de laisser l'appel avec Banzen pour suivre l'exemple Marie Croise. Et venir avec une nouvelle idée et faire revivre, si vous voulez, nos bons moments historiques, faire revivre nos bonnes traditions. Et mon quoi, c'est ça qui pour continuer, développer la culture créole et aussi qui pour aussi aider, faire continuer à vivre nos histoires, nos l'espoir, nos l'unité comme un peuple aujourd'hui dans sa pièce. Nous voir qui manière sur les dix mondes qui sont sortis
dans plusieurs continents, plusieurs races, ils jouent ensemble pour faire la nation sicéloise. Et mon corps aujourd'hui, c'est un appel à l'unité pour nous continuer à développer et cultiver sa l'unité dans nos peuples. Castor, naissance un peuple, en bas patronage accompagné Airtel, pèse pour public vendredi et samedi prochain.